Salut tout le monde, c'est Kizay, bienvenue pour l'épisode 22 de Kingdom Hearts 3. La dernière fois, je vous avais quitté un peu précipitamment, alors qu'on venait de commencer le monde de Frozone, mais j'étais attendu quelque part malheureusement, donc je devais me dépêcher au plus vite. Donc on a vu Elsa, qui était partie du royaume d'Arendelle, hein, pour le bien du royaume justement. Bon, ceux qui ont vu le film, comme moi et vous sûrement, on sait pourquoi. Évidemment, Sora, Dingo ne savent pas pourquoi. On a ensuite vu Larsen qui nous a piégés donc dans ce labyrinthe de glace. Et on va trouver donc la sortie pour quitter ce fameux labyrinthe et espérer retrouver Elsa. Donc logiquement, il faudrait voilà, faire comme ceci. Forcément, donc mon attaque en vrille fonctionne. Est-ce que ça fait quelque chose là aussi? Ah ouais, d'accord, donc ça fait changer les plateformes dans les deux sens. Ok. Donc j'imagine que c'est par là. Voyons voir. J'espère que vous allez bien, en tout cas vous, moi ça va bien. Ah, donc un nouveau jeu pour la console virtuelle, oula, pour le Kingdom classique, donc les jeux classiques. Par contre, est-ce que du coup ça aurait modifié? Oui, là-bas, je crois que c'était pas ouvert de ce côté là-bas, me semble-t-il. Hein. Ouais. Oh, il y a certainement quelque chose là-haut, oui, il y a de grandes chances. Mais évidemment, hein, fallait s'y attendre. En tout cas, les attaques piquées sont toujours aussi efficaces. On va quand même rejoindre. Voilà, non, 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 non! Comment on passe là maintenant? Oh sérieux! Ensuite? Ah d'accord. J'avais pas vu le truc en haut. Ok. C'est quand même le bordel, hein, faut pas se le cacher. Alors, voyons voir. Évidemment, les simili de Larsen. Ah oui, il y avait ces trucs de glace qui nous suivaient là. Ces piliers là. Ça c'était quand même assez relou mine de rien, ces espèces de piliers là, voilà, qui pop dans le sol. Ou 29 quand même, hein, c'est ça va, ça monte petit à petit. Ça a été assez vite expédié. Encore une fois, ce fameux pilier. Je suis sûr qu'il va y avoir plein d'emblèmes fétiches dans le coin que j'ai loupé. En même temps, ils sont super chauds à trouver, les emblèmes ici, avec toutes ces salles qui changent et tout ça là. C'est clair qu'avec toutes ces salles qui changent d'orientation, bonjour la galère quoi. Attends, du coup ça a changé quoi ça? Ouais. Ok. Et là, c'est de là où je viens. N'est-ce pas? Ok. Donc, logiquement c'est par là.
Ah, ok, ray shooter. Ah, et quand même, hein, sont pas évidents, hein, les petites saloperies là. On va essayer. Il y a un coffre là-haut, mais comment on l'atteint? Peut-être par un autre passage encore? Ouais, très certainement il y a un autre passage. Mais attends, parce que... C'est moi ou il y a un deuxième rail? Deuxième rail, pardon. J'ai l'impression qu'il y a un deuxième rail. Alors ça doit venir plus haut peut-être, non? Ouais, peut-être plus haut, on verra. J'espère vraiment qu'on quitte cet endroit bientôt. Ça va, le mec il me la juste la gueule. Ça va. Ah ok, c'est ça le truc téléportation, ok. Effectivement c'est pas mal, c'est pas trop mal. Hop. Une petite transfo de Keyblade. Ah, j'ai pas équipé Petal Guard. Il faudrait absolument que je fasse ça. Faudrait absolument que je m'équipe de Petal Guard, sinon je vais être vraiment dans la merde. Ils sont assez chiants quand même ces 6000, hein, mine de rien. Des espèces de ninja là. Esquive hasardeuse. Bizarre comme nom de compétence. Ok, bon, je pense qu'on arrive gentiment à la fin du truc. C'est quoi ça? Appuyez sur rond juste après qu'un ennemi a percé votre défense pour réaliser une série d'actions ou d'évasions rapides. Les passifs qu'on attaquait lors d'une esquive hasardeuse en appuyant sur croix. Ok. Triple assaut. Permet de s'approcher de la cible tout en attaquant. Ok. Brister. Appuyez sur rond pour projeter l'ennemi au sol. Ah, ok. Attends, Petal Guard, c'est où Petal Guard? Parce qu'il faut que je mette ça absolument. Hop, Petal Guard. Ok, Donald. Booster Foudre, clairement. Dingo. 4 défaites avec davantage de HP. Ah ouais, bah pourquoi pas. Ouais, soin amical, c'est pas mal ça. Dakodak, alors, on va voir. Bon, je pense qu'on arrive clairement au bout de la zone. Hein. Y'a pas un petit emblème par là? Non? Non. Well, that seemed to lock everything into place. Et encore, on n'en a pas fini, non? C'est pas fini encore. Du coup, on a 3 couloirs. On va tout explorer, hein, ma foi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est dommage parce que pour l'instant, ouais,
tout ce qu'on a vu du monde pour l'instant, bah c'est ce palais de glace. Alors, il est sympa hein, dans la forme, mais bon, c'est vrai que je m'attendais quand même plus à visiter le monde d'Arendelle plutôt qu'un palais de glace, quoi. Bon, on va passer par là en premier lieu. Alors, voyons voir où est-ce que j'ai atterri. Ah ouais, là ouais, là j'ai vu. Là je l'ai vu, l'emblème. Là oui. Et 50 anneaux, 50 anneaux, 50 emblèmes. C'est bien parce que je crois qu'il en faut 60 pour la fin secrète en mode normal. Donc c'est bien, on est bientôt à la possibilité de voir la fin secrète. Ça c'est vraiment cool. Bon après de toute façon je ferai quand même tous les emblèmes, hein, je les prendrai tous de toute manière. Mais c'est bien parce qu'il me semble que voilà, il me semble qu'il en faut 60 pour compléter la fin secrète. Pour avoir la fin secrète en mode normal, il en faut 60. Il en faut 30 en expert je crois. Et il faut les 90 ou les 90 en mode expert il me semble. En mode facile pardon. Donc nous on vient, c'était là-bas, ok, on va passer juste de ce côté là. Okay. Une grosse salle. Ah ouais, en fait, je peux vraiment l'enchaîner en haut, en l'air, enfin en au sol, en l'air. C'est pas mal du tout ça. Et encore, vraiment, je me suis, j'ai pas pris le temps de tout mettre au niveau des bonnes armures et tout ça. Hein. J'ai clairement dû gagner de bonnes armures que j'ai pas encore mises. Alors attends, du coup c'était comment le truc là le... Allez, petit coup de farmerage. Le problème c'est que on ne peut pas se soigner quand on est en mode anti-Sora. Donc c'est à double tranchant quoi. Ah ok, ça permet de sortir la farmerage ça, ok. Ah c'est bon à savoir. C'est bon à savoir tout ça. Il reste plus qu'elle, non? Non, il en reste encore une là-bas. Voilà. Et qu'est-ce que ça permettait de faire? Juste battre des ennemis. Ok, donc c'était juste une salle à level up, en gros. Bon. Ok. Donc on peut repartir. Et on peut donc se diriger pas par là, parce que c'est par là où on n'était pas allé. Ouais, là c'est de là où je viens, donc par ici. Ah, deux coffres. Une chevillère noire, ok. C'est quoi, c'est ça la sortie? J'imagine, et donc là j'imagine que si je fais ça, je retourne en dessous, non? Ouais. C'est juste pour voir, hein, c'est juste pour voir. Palier intermédiaire. Là il me semble qu'on retourne à l'entrée du truc, non? Ouais, là je crois qu'on retourne où on était, donc... Ok, donc de toute façon, on va pouvoir y revenir. Bon, je me doute bien qu'on puisse y revenir, hein, ça me paraît logique, mais... Hop, allez, quittons l'endroit.
Je pense qu'on l'a assez vu quand même. Bon, c'était pas mal, peut-être un poil long quand même, mais ça va, c'était sympa. See her? I think she might have gone up in that direction. What? Okay, come on. Bon, au moins, nous voilà à l'extérieur. Et du coup, on peut continuer à suivre Elsa. Ah ça, de toute façon, c'est clair, ça a grimpé sec. Vu la montagne, je doute qu'on s'en sorte sans une bonne escalade. Voilà, moi je sais pas, est-ce que les gens n'aiment pas le monde de Frozen parce que c'est Frozen justement, ou parce que je sais pas, est-ce que le monde est nul ou à chier, je sais pas. Pour l'instant, moi j'aime bien personnellement. Je dois être un des seuls, je pense. Je vais me faire incendier, je le sens. Alors attends, par contre, là ça grimpe sec effectivement. Alors pourquoi ça grimpe aussi sec? D'accord, non, c'était juste pour rien. Je pensais qu'il y avait un truc, mais non, il n'y a rien. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien. Et de ce côté-là. Oh oui, là oui. Là il y en a des ennemis. Avec un petit renforcement. Une ceinture de gardien, bien. Ok. Je crois que là ça continuait du coup. Je doute qu'on puisse grimper tout ça normalement, je pense pas. Franchement, c'est comment Elsa elle a grimpé tout ça. Et surtout par où est la suite après? C'est par là? Ça paraît bizarre. En tout cas, les aurores boréales sont très jolies, hein. Niveau 30, putain. Alors, je pense que c'est plutôt vers là-haut, hein. Ouais, je pense que c'est plutôt vers là qu'il faut passer. Et là-bas, il n'y a rien de ce côté-là? Attends. Ah non, il n'y a rien. Ok. Non, fais pas le con. Ok, bon, bah écoutez, c'était juste pour voir s'il y avait quelque chose, mais non, il n'y a rien. Encore des 100 coeurs. En tout cas, l'escalade de la montagne est plutôt sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, ceux qui ont fait le jeu, mais
ou qui en est à là en ce moment. Moi je sais pas, moi je vois beaucoup de gens dire oh le monde de Frozen il est nul, le monde de Frozen il est à chier, machin, mais... En même temps je sais pas, ils ont pas l'air de dire trop pourquoi en fait. Alors si vous voulez le finir les gars, allez-y. Ouais, ciao, le truc il tombe. Je vais pas le chercher en bas, moi, ça c'est clair. Voilà, ils l'ont fini pour moi. Alors... Y'a pas un emblème quelque part à récupérer avec une photo dans le genre de la montagne, je sais pas. Il est où le château d'Arendelle, on le voit depuis là? Il a vu où le château d'Arendelle? Je sais pas, bon, on s'en fout. Allez, continuons à gravir la montagne. Ah, ils ont carrément gardé le passage de du film. Eh ben... Ah, ils ont mis le paquet là. Ils ont carrément repris la même scène du film, ils l'ont mis en CGI parce que c'est clairement
Bah, un autre moteur du jeu. C'est même pas le moteur du jeu, hein, c'est. Wow. Bien I mieux. don't know what we just saw, but wow. That was Elsa? She looked different. And a lot happier, too. Let's say hi. Please don't tell me that you're spying on her now. Oh, Larxene! Don't turn this around on us. You're following her. Ooh, look at you get all sassy. Okay, I'll admit, Elsa is a person of interest to us. Maybe she's one of the seven pure lights we need. The new seven hearts. Gotta make sure, though. Fortunately, we're in the best position to tell. Can't pick out that special glimmer unless you're standing in the shadows. And maybe Elsa doesn't have it. I mean, just look how icy her palace is, made of magic she forced herself to keep hidden until now. What if it's dark magic? Elsa would never rely on the darkness. Actually, it's still too early to call. Depends on how she sees it. If she believes her magic is darkness, that's what it will become. Accepting her power, whatever it is the only way she can set her heart free. So what will Elsa accept? Light or darkness? I know I want to know. Well, good for you, but guess what? I won't let her fall to darkness. It's her choice to make, not yours. You know, I'm starting to understand why she gave you the cold shoulder. Larxene! You want to help her? Then stop trying to be her hero! Let her figure things out her own way! Est-ce qu'on va devoir tout réescalader à nouveau? Wouhou! Je peux commencer à comprendre, si c'est le cas, pourquoi les gens n'ont pas aimé le monde. Huh? Donald! Goofy! Are you okay? I'm okay. All good! I think we should probably go check on Elsa. And make sure Larxene was wrong about her magic. Yeah. But don't you tell her what Larxene said. Huh? Why not? Well, to keep the order. Yeah, order. Oh, okay. Oh, wait, fellas. Do you hear that? Huh? Huh? Avalanche! Well, climb aboard! Right! Here we go! Ok. Alors, dédaler la montagne, éviter les attaques des 104 en glissant jusqu'au pied de la montagne. Donc, ok, rond pour sauter. Ah ouais, ok.
coming! Watch out! Ah ouais, d'accord. Chaud. Aïe. Ah, oh, c'est un bon passage quand même. Mais genre, what the fuck? Lol, comment tu veux que j'esquive ça, moi? Ce serait ça le boss du monde? Putain, il dure combien de temps ce passage? What the fuck? Ah, je crois qu'on arrive au bout. J'espère qu'on arrive au bout. Ça m'a l'air. Ah, je pense une référence à FF7, ça. Et à mon avis, on va très certainement devoir le refaire pour choper des coffres ou des trucs. Ça, j'en suis quasiment sûr et certain. Pourquoi vous descendez si vous devez aller monter, si vous devez monter pour voir Elsa en fait? Ouais, mais là il y aura sûrement des coffres à récupérer dans la zone ou je sais pas trop quoi. Quasiment sûr de ça. Ouais, bah j'aimerais bien t'y voir, Donald. C'est pas si évident que ça à diriger ce truc. C'est pas évident à diriger, hein, faut pas croire, c'est pas si facile que ça. Hein. Ah, ça a pas l'air d'être des boss, non? Attends, mais on va vous calmer vite fait, bien fait, là, les dragons de glace. Ah non, mais putain, le passage bien chiant quand même là dans le glissade. Sans déconner, il était chaud quand même le truc là de la glissade. Ok, un de moins. Ouais, il faudrait les attaquer, les gars, parce que tout seul je peux y mettre 3 ans à les battre. Hein. Ah, le salaud, il se cache. Allez hop. Allez, un petit coup de grâce. Ah,
Allez, crève. Voilà. Ah, double envol, c'est bien ça. Donc double saut. Appuie sur rond tout en sautant autrement pour effectuer un saut en plein air. Cela s'appelle un double envol. De rejoindre de nouvelles zones ou de rattraper le coup si vous tombez d'une falaise par inadvertance. Effectivement, ouais, c'est très bien ça. Ah non, pas encore. Putain, les pauvres. Il va falloir tout remonter du coup là. Oh la vache. Ils ont pas encore vu la sœur d'Elsa hein, pour l'instant. Enfin, je sais pas si on la verra dans le monde. Look at all the pretty colors. There's blue and green. Ooh, I love green. And look, black. Ah, just like my buttons. Silly spiky grass. Give me back my foot. Was that a snowman? Did you see that snowman? Snowman? Yeah, and here's the funny thing. He was walking and talking. Huh? Everybody knows snowman can't walk. You must have imagined that. Huh, I thought he was real. Well, maybe we'll see him again. But if we don't get going, we'll never reach Elsa's palace. Hmm. Oh, right. I almost forgot. Come on. Ouais, bah du coup, il va falloir tout remonter, j'imagine. Hein. Bon. Mais ça sera pour le prochain épisode, du coup. Ah oui, parce que ça commence à se faire tard. Non, mais surtout que ça fait un long épisode, sinon. Mais ouais, du coup, le passage libéré-délivré, ouais. Bah, je pensais pas qu'ils allaient le mettre, en tout cas. Ah, j'étais vraiment étonné, parce que je m'attendais vraiment pas à le voir. Parce que là, qui puisait, c'était pas le moteur du jeu, c'était vraiment le moteur des cinématiques, bah, comme on a eu au début, là, en intro. Donc c'est... Non, c'est... C'est cool. C'est vraiment, vraiment cool. En tout cas, moi pour l'instant, j'aime bien le monde de la Reine des Neiges. Je sais pas pourquoi tout le monde l'aime pas. Si c'est juste à cause du passage libéré-délivré, franchement, pff, voilà quoi. C'est un passage du film, donc forcément, ils allaient le mettre. Enfin, forcément. C'était quasi évident qu'ils allaient le mettre. Je sais pas. Moi, en tout cas, je comprends pas toute cette... Toute cette haine, on va dire. Bref, sur ce, bah, je vous dis à bientôt pour la suite de Kingdom Hearts 3. Moi je vais enchaîner, je pense que je vais terminer le monde de Frozen, comment ça s'appelle, en vidéo, puis on verra bien tout ça quoi. Allez, sur ce, ciao ciao tout le monde, et à la prochaine.